Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reprends ma place de coach parce que je vais analyser. Pourquoi tu prends cette pause de videur de voix ? Je suis prêt à être analysé. Parce qu'aujourd'hui, je vais analyser Greg Dossier. T'es jamais apparu sur ma chaîne principale, je crois ? Non. Donc, c'est une grande première, mais on a fait quelques vidéos ensemble, en l'occurrence des podcasts. Aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment est foutu notre ami Greg, quelle est sa morphologie, s'il a des muscles longs, des insertions avantageuses. Et puis, surtout, on mettra ça en relation avec son programme de muscu ou une de tes séances de muscu. Oui. Donc, peut-être un half body. 80% de mes séances de muscu. Très bien. Et je suis pas au courant du half body qu'il fait. Donc on va l'analyser, ensuite on s'entraînera sur la séance et je te donnerai mes petits tips pour que tu saches si tout est cohérent ou pas. Analyse terminée, j'ai bien regardé. Alors on va faire un half body du haut du corps, donc j'ai regardé que le haut du corps. Il y a un truc qui est assez flagrant quand on te regarde de face, c'est que tu as un bassin qui est quand même un peu large. Et quand on met en rapport ça avec tes clavicules, qui sont pas non plus hyper larges, du coup ça nous donne un peu une morphologie, j'allais dire en H, mais j'aime pas trop ces délires de lettres, etc. Moi je suis pas une simple lettre quoi. Non, t'es pas une... Je suis un humain avec des sentiments et... Non, t'as raison, t'es pas qu'une simple lettre. Un bassin large, ça te permet d'avoir plus de stabilité, par exemple, sur les exercices du bas du corps. Donc, t'auras un avantage de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, en termes de taille fine et épaules larges, tu seras pas celui qui aura des proportions démesurées. Heureusement, il y a un point fort dos. Je sais pas si tu veux en parler. Absolument, absolument. Qui permet de peut-être un peu plus faire cette forme de V que... Absolument. On le voit quand t'es de dos, mais plutôt quand tu contractes en double biceps, parce qu'on voit les insertions basses de ton grand dorsal qui descendent assez bas. Donc, en fait, le grand dorsal, pour ceux qui ont un grand dorsal court, il s'attache vachement haut, alors que Greg, c'est un peu comme moi d'ailleurs, il a les insertions du grand dorsal qu'on voit d'ailleurs qui s'attachent juste au-dessus du grand fessier. Quelqu'un qui a des muscles longs, en l'occurrence comme le grand dorsal, eh ben c'est un super avantage sur les exercices de tirage et potentiellement tu peux avoir un volume plus important. Et comme tu l'as dit, ça donnera l'illusion que ta taille est un peu plus fine. Par contre... Aïe, 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 aïe. Bah c'est pas, non, mais c'est pas une mauvaise chose, hein, mais effectivement biceps, triceps... Non, pas les triceps. Bah t'as... Alors... Non. Il est dévasté. Non. Je pensais que j'avais des gros triceps. T'as pas des gros triceps. Et t'as surtout le vaste externe qui est hyper court. Oh putain, oh, dur. Putain. Mais c'est pas grave parce qu'en général, ceux qui ont le vaste externe assez court ont la longue portion assez longue. C'est mon cas aussi. Et tu seras pas du genre à avoir l'espèce de fer à cheval, tu vois, bien dessiné. Non, j'aurais pas le fer à cheval. Parce que cette zone-là, c'est pas la plus longue du monde. Ok. On n'a pas tous des points forts. Hein. Ouais. Alors peut-être que tu n'auras jamais 50 cm de tour de bras et que quand tu auras un t-shirt qui est taillé normal, qui n'est pas XS, on va pas remarquer tes bras en premier. Par contre, torse nu, tu vois, tu as un grand dorsal, tu vois, tu as des bonnes proportions de ce point de vue-là. Mais c'est bizarre parce qu'on dit souvent que j'ai des gros bras alors que finalement, si biceps court plus triceps court, génétiquement, j'ai pas été gâté pour les bras en fait. Alors attention, tu as le vaste externe qui est court. Ok. Mais esthétiquement, si tu as la longue portion longue, bah du coup, c'est ce qui donne le volume à ton triceps. Okay. Et c'est ce qui potentiellement va te donner un gros bras. Okay. Donc tu peux avoir des gros bras, mais tu n'auras jamais des bras gigantesques. Ouais. Parce que pour ça, il faut vraiment réunir toutes les conditions à la Arnold, où il avait tous les muscles du haut du corps, presque tous les muscles longs. Donc du coup, ça fait des conditions un peu différentes. Après, ton biceps, tu vois, dans la pose de côté, il passe bien, même s'il est un peu court. Et puis même quand tu fais ton double biceps de face, tu vois, ça rend bien. Parce que le biceps est quand même bien dessiné, tu as un taux de masse grasse qui est plutôt bas, ce qui fait que tes proportions, c'est joli à voir, quoi. Ok. Donc ça, c'est cool. Ok. C'est plutôt un bon point. Bah, je suis obligé de rester un peu sec parce que bah, c'est comme ça que je me plais le plus. Ouais. Et c'est vrai que sinon, bah, je suis plutôt un mec assez fin. Je suis à 74 kg, assez fin pour 1m76. Donc j'ai besoin d'être assez sec, je trouve, pour avoir un physique un minimum imposant ou qui peut rendre bien en photo. Et tu considères la création de contenu comme quelque chose qui t'impose d'être... Ah non, non. Non, en fait, je suis un youtubeur et après, je suis sportif et bien. Je suis pas un athlète. Bon, oui, il se casse pas la tête avec ça. Voilà. Ok, plutôt cool. Tes pectoraux, bah assez longs en fin de compte. Non, c'est mais vrai. Si, bah oui. Let's go, je pensais qu'ils étaient courts. Non, si on fait des illustrations, ils prennent une bonne place sur le haut de ton corps. Ok. Donc, c'est un potentiel de développement qui est plutôt bien. Ok, parce que c'était un point faible longtemps dans ma tête. Ouais. Et dans le recrutement aussi. Ouais. C'est le muscle que j'ai ressenti le dernier dans toutes mes séances. Enfin, ok. Il m'a fallu, je pense, un an pour vraiment ressentir une congestion des pectoraux. Ok. Alors, quand c'est comme ça et que morphologiquement, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne se développent pas, bah, faut voir du côté de la technique d'exécution et puis de la sélection des exercices. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sur la séance. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais t'as pas de mauvaises conditions pour développer des pectoraux. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça fait plaisir. Et puis surtout, t'as des abdos qui sont... asymétriques.
qui sont symétriques. Tu rigoles? Mais non. Mais attends, t'as déjà vu des abdos asymétriques? Bah ils sont pas Non mais c'est un petit décalage. Ah oui, oui. Non mais ça c'est pas asymétrique. Ah, ok. Parce que des pompes, c'est vraiment tac 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 quoi. T'en connais beaucoup vraiment? Bah pas beaucoup. Ah mais moi je connais personne qui a vraiment des carrés bien alignés, okay. Ou plutôt des rectangles bien alignés et qui a un six pack ou même un eight pack. Non, c'est plutôt symétrique. Tu vois, on voit bien les même les six carrés. Hein. Okay. Donc c'est plutôt cool. J'ai peut-être vu trop de modèles fitness à l'époque de 2016-2018. Ouais, coup, sur ça, faut arrêter de planer. Hein. C'est clair que Lazar Angelov, ok. Il a des... j'ai plus d'abdos que Lazar Angelov. Ouais, probablement. Il a des abdos bien symétriques, mais c'est une personne sur des millions, ouais. Et des millions. Ok, et puis, bah, ça fait plaisir. À la limite, on s'en fout. Mais effectivement, c'est bon à prendre parce que vu que tu as le bassin large, au moins tu peux être sûr d'avoir une sangle abdominale plutôt symétrique. Okay. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah bah, je prends. Hein. Par contre, j'émettrais peut-être une petite réserve sur le haut du dos. Donc tout ce qui se passe au niveau trapèze et deltoïde postérieur. Ok, oui. Parce qu'on le verra quand tu seras de dos. On voit ton grand dorsal, on voit les insertions basses. Par contre, il se passe pas grand chose. Enfin, il se passe pas grand chose. Non, c'est vrai que niveau trapèze et deltoïde postérieur. J'ai pas d'exercice pour ça particulier. Je fais des tractions lestées, mais je travaille pas mes trapèzes particulièrement. Et ben ça sera peut-être intéressant d'en parler dans la vidéo juste après. Et je pense que c'est pas moi de juger, mais on est un peu là pour ça. Si je devais te donner un conseil pour le développement harmonieux du haut de ton corps, trapèze deltoïde postérieur, je pense que de dos ça ferait vraiment pratiquant de musculation. Ouais, parce que là, de face, on voit que tu fais de la muscu. T'as les pecs plutôt longs, les abdos qui sont visibles, les bras qui sont bien développés. De dos, il manque quelques petites bosses, ouais, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Il manque quelques petites bosses par-ci, ouais. Par-là pour faire dos puissant. Ouais. Et puis même niveau santé, niveau posture, je pense que ce sera pas une mauvaise idée d'intégrer des exercices pour les trapèzes. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis content et puis c'est marrant pour moi qui je me considère pas comme un athlète, de me faire analyser comme tu as pu analyser des athlètes sur ta chaîne. Donc c'est marrant et puis c'est un domaine où j'ai moins d'ambition que dans ma vie professionnelle, mais c'est marrant de se prêter au jeu quoi. Ouais, en plus ça permet de faire de la petite optimisation sur tes séances d'entraînement. Ouais, carrément. Donc c'est toujours bon à prendre. Séance half body. Tu peux me dire au moins le premier exercice? Développé couché. Tu croyais quoi? On va pas faire preuve d'originalité, hein. Let's go pour le développé couché. Les amis, avant de jeter un œil à la séance que Greg me réserve, n'oubliez pas que ce jeudi 17 novembre à 17h, c'est le début du Black Friday Gymshark. Cette année encore, il y a jusqu'à 60% de réduction sur une sélection d'articles, dont le haut que je porte aujourd'hui. Il y a aussi plein d'autres tenues que j'ai l'habitude de porter dans mes vidéos. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Par contre, il va falloir être très, très réactif parce que vous savez que ça part très vite. Ce que je vous conseille, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Ça ouvre un nouvel onglet, vous l'enregistrez en favori et puis vous allez dessus jeudi 17 à partir de 17h. Ne perdez pas une seule seconde. Vous savez que c'est un gros soutien pour la chaîne et moi ça me permet de continuer à vous proposer des vidéos très régulièrement. Donc profitez bien du Black Friday et des 60% de réduction sur une sélection d'articles. On clique sur le premier lien et maintenant on regarde la séance que m'a prévu Greg. Tu penses que je fais mes séries à combien Nassim? Je dirais 36. Ah ouais c'est ça. C'est ça? Bah après il n'y a pas 36 dans ma salle donc c'est plutôt 34. Mais non. Si. Après c'est dommage hein, parce que j'en ferai bien plus très facilement mais c'est dommage. Bien que sûr ça... ouais. Et du coup qu'est-ce qui nous attend? Combien de séries? Combien de reps? 4 séries normalement, 8-10 répétitions. Alors, j'ai la pression là. Bah, il y a intérêt. Normalement, je m'entraîne tout seul dans ma salle. Il y a intérêt que t'aies la pression. À 22h. Alors, 34? 32. 32. 32, 34, c'est mon max normalement. Ah oui, ok. Et je sens que si je prends 34, je vais me faire engueuler parce que j'aurai pas la meilleure technique au monde. Moi, je suis personne pour t'engueuler. Un grand sage m'a dit qu'il valait mieux avoir une bonne technique et pousser un peu moins lourd. Parce qu'on n'est pas là pour entraîner son ego, on est là pour entraîner ses muscles. Et on ne. Arrête d'essayer de chercher des conneries à dire et fais ta. Non, mais t'avais dit un truc intelligent. Genre, t'avais dit que le but c'était pas de pousser avec ses muscles, mais d'utiliser ses bras pour contracter un muscle. Je sais que si je mets 34, je vais plutôt pousser avec les muscles plutôt que de faire le mouvement pour contracter les muscles. Absolument. J'avais dit c'est la contraction qui provoque le mouvement et pas le mouvement qui provoque la contraction. Ouais. Hop, 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 8. Bien joué. On ramène les coudes. Mais je sais même pas combien j'en ai fait, putain. 8, t'es presque à 8 là. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas ou est-ce que je pars direct sur la deuxième série? Ouais, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas qui est assez intéressant, c'est quand t'es en bas du mouvement, tu te retrouves avec les avant-bras qui sont en biais. J'irai pas jusqu'à dire 45 degrés parce que ça serait largement exagéré. Mais du coup, t'as les haltères qui descendent de manière linéaire, ce qui au final est cool. Mais étant donné que tu commences ton mouvement avec les haltères relativement proches, ben du coup, tu les finis avec les haltères relativement proches. Ça désengage un petit peu les pectoraux.
parce que ça raccourcit le bras de levier et du coup c'est un peu moins intéressant. Alors que t'as vu que moi mes séries elles commencent là et elles descendent de manière linéaire aussi, mais je me retrouve à la fin du mouvement avec les bras largement écartés. Ce qui n'est pas un problème parce que la tension max de toute façon elle est en bas, donc c'est ça qui nous intéresse. En haut que les bras soient ici ou ici, ça change pas grand chose. Ouais, je vais essayer de faire ça pour la série d'après. Et deuxième truc, t'as les coudes qui sont hyper rentrés. Peut-être que t'as l'impression que c'est plus sécure. Non, je crois que parce qu'au début, ils n'étaient pas rentrés du tout. Ouais. Et j'avais dû voir des vidéos où ils disaient de plutôt rapprocher les coudes. Ouais, il y a plein d'écoles. Quand j'ai commencé à bien me renseigner sur le développé couché, je suis tombé sur plein de personnes qui recommandaient effectivement de réduire un peu l'angle entre l'humérus et le tronc. Sauf que, en étant confronté à d'autres sources, je voyais des bodybuilders ou des coachs qui conseillaient au contraire d'avoir un écart assez conséquent, pas maximal, hein, mais assez conséquent entre l'humérus et le buste. Moi, je te conseille de tester les deux. Ouais. Mais ce qui est le plus important quand tu montes un peu les coudes, c'est de pas monter les épaules. Donc, on garde les épaules basses et monter un tout petit peu les coudes, ça me paraît un peu anodin, mais ça vaut le coup d'essayer pour voir ce que ça donne. Ouais. De toute façon, c'est facile pour moi 32, donc je peux faire les ajustements, je veux dire, je vais pas du tout galérer là. 3, stabilise les haltères, il faut que la poignée elle reste parallèle au sol. 4, la poignée de l'haltère reste parallèle au sol. 5, et descend un peu moins. Là, c'est bon. Même encore un tout petit peu moins. Là, ça me suffit. Ouais, 7. Eh, trop bien, t'as même presque trop d'amplitude. En plus, il me semble, tu me diras, mais si je me trompe, mais j'ai des bras assez longs. T'as des avant-bras assez longs. Avant-bras mais assez même longs. Les humérus, ils ont l'air quand même plutôt longs. Ouais. Humérus, c'est ça. Avant-bras ici, et effectivement ils sont plutôt longs. Et le problème c'est que plus on a des avant-bras longs, plus si jamais on s'obstine à vouloir toucher la poitrine avec les haltères, on se retrouve hyper bas. Bah, c'est un réflexe que j'ai pris en plus de remonter quand je sens qu'elle touche la poitrine, les haltères. Mais j'ai vu dans tes vidéos que tu limitais parfois l'amplitude. Bah ouais, si t'as pas d'objectif de perf, ou si c'est pas vraiment une volonté pour toi de vouloir toucher les pecs, touche-les pas. Ouais. Arrête-toi avant, que ce soit à la barre ou aux haltères. De toute façon, pour l'hypertrophie, on n'est pas à 5 cm près. C'est quand même plutôt une meilleure nouvelle de ne pas désengager la contraction en descendant un peu moins, plutôt que de s'obstiner et de se relâcher un petit peu en bas. C'est bien, Nas, tu prends une seconde, une minute de récup. Est-ce que la série était convaincante? Oui, oui. Moins bas, 2, 4, poignée de l'haltère parallèle au sol. Dernière, tout seul, hein, ça va passer. Pourquoi je saoule avec la poignée de l'haltère parallèle au sol? Parce qu'en fait, quand tu l'inclines dans un sens, le centre de gravité de l'haltère, il est plus pareil. Donc du coup, tu as le poids qui se déporte un petit peu soit à gauche, soit à droite, ce qui fait que ça rajoute des contractions parasites. Sauf cas particulier, hors hypertrophie, où je peux comprendre que ça change un petit peu, tous les mouvements de développé ou de tirage, on les laisse comme ça. Ok. Next exercice. Traction. Allez, traction. Du coup, prise neutre? Ouais, elle est bien ta prise là. Les trois, elles sont très très bien. Je suis bien content de ce truc là. Bon, en vrai, c'est pas mal. Ah, tu peux le dire, hein, c'est 10. Hein. Il attendait que ça. Il attendait de faire 3 reps pour... Bon, en vrai, c'est quand même vraiment bien. Pour le concours de la gendarmerie, il fallait en faire 10. Et bras tendus et menton qui dépasse ouais, au-dessus ouais. de la barre, j'imagine. C'est ça. Ah ouais, tu m'étonnes. T'en fais combien? 35? 10. Faut que j'en fasse 10 aussi. Il y a que 3 séries, tu peux pousser un peu. Il se moque vraiment de moi. Ça fait longtemps que t'as pas fait les tractions lestées? Oui. C'est une petite exclu, ça, pour... C'est une grosse exclu. Tu rajoutes combien? 10? 10, 20 et 30. Pardon? Tu penses que tu en fais combien lestées à 30? 4. Ouais, c'est ça. Bah déjà, c'est pas mal. Parce que j'ai déjà vu ce qui pourrait être amélioré sur tes tractions. Ah, déjà, ouais. Déjà à blanc Absolument. Mince. Et je pense que tu peux le deviner. C'est que je détends complètement. Ouais. Et en plus, il se passe un truc quand tu tends ton bras, c'est que tu as une rotation interne. Ouais. C'est-à-dire que ton coude il pointe vers l'extérieur, alors que pendant toute ta série, ton coude il pointait dans la bonne direction, c'est-à-dire aligné avec les fibres musculaires. Par défaut, je gardais toujours un petit flex. Ouais. Et c'est vrai que j'ai arrêté de le faire parce que j'ai vu des soldats à la gendarmerie. Mais c'est pour ça que c'est assez compliqué entre l'hypertrophie et la performance. Quand tu fais de la performance, effectivement, il faut tendre tes bras au max. Et le réflexe normal, c'est quand tu tends tes bras, c'est qu'ils partent un peu vers l'extérieur. Enfin, ça fait une rotation interne. Mais dans l'hypertrophie, encore une fois, on s'en fout. Donc on peut sacrifier les 3-4 derniers centimètres pour garder les coudes dans le bon alignement, ce qui t'encouragera à solliciter le grand dorsal dès les premiers centimètres. Ouais. Pour toi, c'est moins important parce que tu as un grand dorsal long. Mais imagine les gars, les gars ou les filles d'ailleurs, hein, qui galèrent à développer le grand dorsal. Il faut pas faire ça. Ouais. Et 8. C'est bon? Non. C'est bon quoi? C'est mieux l'amplitude ou pas? J'en valide 5. Mais non. Ah si. Ok, j'ai changé complètement ma manière de faire. Ça pour moi c'est une bonne série de 5. Mais là je pense que je pouvais en faire 8 propre comme avant. C'est que j'ai voulu me forcer à pas redescendre jusqu'en bas du mouvement. Et t'as trouvé ça plus difficile? Oui. C'est incroyable hein? Bah oui, parce que j'ai pas l'habitude, j'ai plus mes repères. Je sais que quand je sens que les bras sont tendus, c'est là où je mets la force et du coup... Et oui, mais la force, elle vient d'où? On sait pas si elle vient du grand dorsal, c'est ça le problème, quand tu tends les bras. Peut-être que toi, si, vu que t'as le grand dorsal long, mais c'est quand même pas une garantie. Et en plus, tu sais, quand un muscle est étiré, c'est là où il est le moins puissant, le moins fort, ouais. Donc c'est quand même un peu risqué de faire ça. Ok, ouais. Bah tu vas me dire sur 20 kilos, je pense. La huitième, je la valide pas. Non.
Même eux, ils l'ont pas. Ils ont regardé, ils ont fait. Non, la 8e, non. Allez, on y croit. Il y en a 5 là. Hein. Oui, je pense. 5 jolis. Je vais essayer, ouais. Après, j'ai pas mangé. J'ai pas eu de canette de Monster. Genre de typo, allez, ça joue du violon. C'est chiant. Allez, on se concentre. Bon. Bon. C'était mieux ou pas? Non. C'est vrai? Bah, on est passé dans un autre spectre. Si effectivement on jugera la performance, tu t'es quand même soulevé 5 fois avec 20 kg de lest autour de la taille. Ouais. Par contre, hypertrophie, j'ai des attentes qui sont assez hautes. Et dans une logique de toute optimisation, effectivement, c'était pas ouf. En fait, ce qui me gêne lorsqu'on utilise du poids dans un objectif d'hypertrophie, c'est que ça rajoute de la fatigue. Ça rajoute de la fatigue musculaire, nerveuse, articulaire, des fois. La plupart du temps, les gens, ils sont surpris quand ils m'entendent dire que je m'entraîne 7 jours sur 7. Et parce que moi, j'ai pas de rep parasite. Du coup, mon système nerveux, il est pas plus fatigué qu'il ne devrait l'être. Mon système articulaire, c'est pareil. Et mon système musculaire, c'est pareil. Mais ça, du coup, faut être plus vigilant sur l'exécution et savoir quand s'arrêter en termes de lest. Et moi, c'est l'inverse parce que je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Et je sais qu'en une heure, après, je rentre chez moi, je suis fatigué. Ouais. Et justement, je recherche cette fatigue. Est-ce que cette fatigue nerveuse te permet d'atteindre plus vite ton objectif? C'est là la question. C'est que si la réponse est oui, alors tant mieux. Mais si la réponse est non, ça veut dire que c'est de la fatigue accumulée pour rien. Et tu vois, la distinction, elle est toujours un peu floue. Mais c'est quand même une bonne distinction à avoir et une bonne question à se poser. Alors, c'est validé ou pas? Ah oui, carrément. Ouais, ils ont dit oui. Toi, je te demande plus parce que je sais que tu vas dire non. Franchement, je sais reconnaître un travail bien fait. Pas dégueu. Là, c'était bien fait. Ouais. Bon, ça fait plaisir. Je me permets des trucs. Tu préfères être très musclé ou très fort d'ailleurs? Très fort. Ah ouais? Mais je suis pas du tout fait pour la force. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as pas analysé par exemple si j'étais longiligne ou brevilligne, mais je suis assez longiligne. Ce qui te donne un avantage sur le soulevé de terre. Par exemple, ouais, c'est vrai. Donc la force, ça dépend de quels exercices. Mais ça m'a jamais motivé, peut-être parce que mes inspirations, elles font jamais de force. Allez, dernière série, on se concentre. Ouais, hein? Ça monte, 2. Allez, 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 on la valide. 3. Pas mal. Les deux premières étaient bien. Hein. Je crois que j'aime la sensation de porter du lest aussi, mais ça c'est peut-être... en fait, j'aime bien quand je suis dans la salle et que je me balade et que les autres ils sont... Putain, il vend 30 kilos de lest. Quel kéké celui-là, mais vraiment, mais quel kéké. Je suis tout seul quand je m'entraîne, c'est juste pour moi quoi. Bah là, faut aller voir la psychologue. Hein. Je sais même pas si un jour dans ma vie j'ai mis 30 kilos de lest. Oui. Allez, 3. Oh oui! Bien joué! Je l'assume. C'était pas mal, hein? Je referai plus jamais de traction lestée à 30 kilos. On range les poids. On range les poids. C'est dans la vidéo, c'est bien. Ouais, c'est immortalisé. Donc le troisième exonas, c'est élévation latérale au banc incliné. Et donc ça va être des séries plutôt de 12 répétitions. Peut-être plus comme ça que je les faisais. Retiens plus la descente, s'il te plaît. Oui, monsieur. Ça me tue. Ah ouais? Ah ouais. Et je me permets de continuer la série. Hein. On voit que le deltoïde moyen, là, qui est juste là, bah, il pointe directement vers le plafond. Et ça, c'est favorisé justement par l'inclinaison du banc et la position des bras. C'est hyper difficile de faire les élévations latérales juste sur le côté, debout, en ayant le deltoïde moyen qui pointe vers le plafond. Sauf morphologie un peu exceptionnelle. Ça y est, là, c'est la compète. Là, c'est la compète. T'en as fait 15 pour que j'en fasse 16. Combien? 16. Oui, je me disais que c'était un peu plus long que la série d'avant. Évidemment. Tu comptes, Nassim, j'en fais 17. Hein. Et 17. Et 18. T'es content? Oui, bah oui, j'ai content. Depuis le début, je suis content. T'es content d'avoir fait plus de reps que moi? Tu sais que je vais en faire 19. Hein. Oui, 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 c'est ça. Et ben. Que de gagner. Bien joué à toi. Je me serais arrêté bien avant. Mais super exo. Oh, quand même, bousille le deltoïde postérieur, le deltoïde moyen. Il est fantastique. Très bon choix. Et pour finir, super set, bras et triceps. Biceps, triceps. Moi, ce que je fais souvent, c'est du curl biceps marteau. Ok. Je sais pas si tu l'apprécies. Je l'apprécie. Tu apprécies. Et un exo à la poulie pour les triceps. Et du coup, t'alternes sans récup ou alors tu prends un peu de récup? Sans récup. Donc, tu vois, tu peux faire extension, moi je fais le marteau. Ouais. Et puis on échange. Ouais. Prends la corde qui est juste à côté. Si jamais dans votre salle de sport vous avez des cordes longues pour les triceps, c'est la meilleure chose parce que ça vous permet d'avoir quand même un peu d'amplitude. Alors, ou si jamais vous n'avez que des cordes courtes, bah, vous pouvez en mettre deux sur une seule poulie. Donc ça peut être une façon d'augmenter l'amplitude. C'est mieux. Je veux faire plus de reps parce que je lui ai dit que ça. Son vaste externe était court. Oui.
Donc du coup, il fait plus de reps que moi. Moi, je m'arrête pas tant que tu t'arrêtes pas. Hein. Ah, voilà. Ah, je suis cuit. C'est bon, j'ai des gros bras, moi. Je peux arrêter. Bah oui, t'as pas besoin. Encore une. Allez, encore une. Ah, ok. Ouh. Fin de séance. Pas grand chose à dire sur l'exécution là, c'était nickel. Hein. Ouais. Ah ouais. Après c'était léger, voilà. Ouais, c'était léger. Après c'est les bras, c'est quand même un peu différent. Et vu que tes bras c'est pas un point faible, peut-être pas besoin de se prendre autant la tête que ça. On va souffler 2 minutes et on se fait un débriefing, les amis. Eh bien bonne séance, très bonne séance. Quelques petites corrections à faire niveau exécution si l'objectif est hypertrophie. En fait, c'est ça la distinction à avoir. Hein. C'est que je suis pas en train de démonter ton exécution. Elle est très très bien. Après, si on veut tout optimiser sur l'hypertrophie, c'est clair que ça mériterait quelques petites modifications. Tu as choisi des exercices qui étaient très cohérents. L'ordre des exercices était aussi cohérent. Par contre, tu m'as dit que tu faisais à peu près toujours le même half body. Ouais, c'est vrai. Et compte tenu de l'analyse que j'ai fait avant, bah personnellement, je ne fonctionnerai pas comme ça. Soit j'aurais plusieurs half body, soit le half body que tu fais, bah j'aurais choisi d'autres exercices qui sont plus liés à tes points faibles, en l'occurrence trapèze, deltoïde postérieur, parce que là, mine de rien, on ne les travaille pas tant que ça. Donc oui, si c'était moi, je me préparerais 2 half body différents. Celui-là que tu ne changes pas, parce qu'il te fait plaisir, que tu as envie de faire des tractions lestées, que c'est plutôt cool, hein, et que les exercices sont bien choisis. Et le deuxième qui serait plus point faible, où je mettrais du rowing buste penché en focus trapèze, où je mettrais probablement du développé incliné à 45 degrés. Comme ça, ça te fait une stimulation haute pec et deltoïde antérieur. Mm-hmm. Pour les deltoïdes, je mettrais quelque chose plus axé sur le deltoïde postérieur. J'aurais ajouté des exercices d'étirement pour les triceps et les biceps. J'aurais un superset avec des extensions à la corde au-dessus de la tête. Et puis pourquoi pas soit un curl incliné, soit un curl à la poulie, dos à la poulie, où tu vas aller chercher un petit peu l'étirement. Et tu le fais combien de fois par semaine sur half body? 3 fois. Effectivement, je pense que ça te ferait pas de mal d'avoir 2 voire même 3 half body différents. Et puis du coup, de tourner un peu sur des exercices qui te permettraient de résoudre ces points faibles. Je mets des grosses guillemets parce que c'est pas vraiment des points faibles. Au moins, t'en aurais pour ton argent. C'est clair, non, mais les trapèzes, en plus, c'est un exo que. Enfin, j'aime bien tous les exos de trapèzes en plus. Et c'est vrai que ben, je pars du principe qu'avec les tractions, c'est un exo polyarticulaire, mais pas un exo qui va m'aider à avoir des gros trapèzes, quoi. Bah, le truc, c'est que surtout toi qui es avantagé au niveau du grand dorsal, tu vas pouvoir faire n'importe quel type de traction différente, ça va travailler le grand dorsal. C'est un peu comme les gens qui disent le développé couché, ça travaille plein de groupes musculaires, les pectoraux, le deltoïde antérieur et puis triceps. Oui, mais ça dépend de qui. Si tu fais que des tractions, ça va travailler que le grand dorsal. Déjà qu'il est avantagé, il va continuer à développer son avantage et ça laissera encore moins de chance aux autres groupes musculaires d'être sollicités. Donc, petit rowing buste penché, en plus c'est un exercice de base. Hein. Il te permet aussi de renforcer les érecteurs du rachis, il te permet de renforcer grand fessier ischio. Tu le fais en mode focus trapèze. C'est quand même costaud de faire du rowing buste penché à 80 ou 90 kg. C'est aussi une marque de force. Hein. Ok, bah pour le half body 2, voilà. Remplacer peut-être les tractions par du rowing buste penché. Tout à fait. Et alterner l'exercice de peut-être de bras à la fin ou. Et puis quelques petites inclinaisons sur l'exercice développé, ça fera pas de mal. Alors j'alterne hein, parfois. Là on a fait coucher, mais okay. Parfois je le fais incliné. Incliné à 45 ou semi-incliné? c'est des bancs pourri où t'as pas le choix, voilà, c'est incliné. Et quand c'est incliné, ça tremble un petit peu. Ah ouais, je vois. Mais c'est bien ça de s'entrer dans ça des travaille, conditions. Ça travaille la stabilité, le bassin, le gainage. Ok, bon bah si t'as pas le choix, tu fais avec l'inclinaison que tu peux faire et puis voilà. Ouais. Après, je comprends la volonté de vouloir charbonner les tractions parce que t'aimes bien ça. Mais je pense que même en alternant avec d'autres half body, tu vas pas perdre ton niveau de traction, c'est sûr et certain. Je dirais pas que tu vas gagner en performance parce que tu feras d'autres exercices. Mais je pense que ce sera d'une part plus harmonieux et il y a moyen que tu développes un goût tu vois, prononcé pour le rowing buste penché. Hein. Ouais. Ouais, il est pas sûr. Dit comme ça, ça part sur une relation un peu conflictuelle, mais ça peut le faire. Eh, ça peut se transformer. Hein. Ouais, c'est clair. Faut qu'on apprenne à se connaître quoi, avec cet exo. Quoi. Exactement. Parle-lui gentiment, voilà. Rowing buste penché, et peut-être que tu arriveras à l'amadouer. En tout cas, Nassim, gros kiff d'être sur ta chaîne. De te voir faire ma séance, c'est marrant aussi, parce que c'est t'es un peu le coach sportif qui m'a aidé à structurer mes séances. Là, je t'ai fait une séance que je fais, mais qui n'est pas forcément la séance la plus optimisée. Oui, bien sûr. C'est marrant de t'emmener sur mon terrain. Carrément. En même temps, dans ta salle, donc merci beaucoup pour l'invitation. Mais plaisir partagé. Les amis, si vous ne connaissez pas Greg, toutes ces infos sont en description. Ouais. Il y a la chaîne YouTube principale. Le podcast qu'on a fait ce matin. La chaîne de podcast et plein d'autres trucs. Instagram, TikTok, il y aura la totale. Les amis, si cette vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à nos chaînes respectives. Et si vous voulez revoir Greg sur ma chaîne YouTube, bah, mettez-le en commentaire. Je serai content. Ah ouais, bah allez-y. Hein. On va se refaire des tractions lestées à 30 kg. Ah oui. Jamais. Jamais, c'est officiel. Déjà. Non, c'est officiel. Allez, bye. Ciao.